entre la députée Oressa du PDS qui voudrait qu'on réintègre Kariwa. Nous aussi, nous avons présenté notre candidat pour que recalé dans des parrainages qui ont rompu l'égalité des citoyens, parce que ce parrainage, parrainage des élus, parrainage des députés, parrainage avec tout ce qui est doublon, le pouvoir qui part là-bas, qui part et qui déclare ses parrainages, des millions, des clés qu'on dépose, et dans l'exploitation des clés, personne n'est présent. Donc voilà l'ensemble de ces contestations et ces questions recalées. Donc on va aller dans des élections avec beaucoup de contestations. Si on pouvait, dans la salle, ce qui est retenu, on va faire une synthèse des conclusions. C'est ce qu'ils veulent, que le président reste de la République, pour qu'on intègre tous ceux qui ont eu des problèmes dans le parrainage. C'est ça, mon petit yakar. Il faut vivre l'optimisme. D'accord. L'optimisme, bon, avec raison, bien sûr. Mais rien ne sert de courir, il faut partir en temps. Pour faire Kenny, nous avons une affaire, c'est inclusif. Nous avons une affaire. Nous avons une affaire. Nous avons une affaire. Donc, si nous avons une affaire, nous avons une affaire. Parce qu'on est lésé dans ce parrainage-là, qui a rompu l'égalité des citoyens devant une loi inconstitutionnelle, cette loi du parrainage-là.